comme à l'accoutumée, At-Tijari Wafa Bank est fortement engagé derrière les initiatives de Sa Majesté le Roi, Allah Yahfadhou, de son gouvernement pour mobiliser l'investissement et derrière nos entreprises pour les accompagner, les financer. Et CAP Access, c'est un produit complémentaire au financement bancaire, vient donner un souffle supplémentaire, mais vraiment supplémentaire, à la relance de l'investissement. Sur deux ou trois points d'avantage qui sont liés à ce produit, c'est qu'il est subordonné à la banque, ça veut dire qu'il vient après en termes de priorité par rapport à la banque, et donc c'est un produit naturellement plus risqué pour le fonds Mamesis, mais c'est le boost que nous apportons au marché. La deuxième chose, c'est qu'il a une maturité, donc une duration plus longue. On a prévu en standard de 3 années, 3 années. Et il a un délai de grâce, c'est-à-dire un délai qui est laissé à l'opérateur économique qui veut lancer un investissement. La banque va lui accorder un délai de grâce, mettons, de 1 an ou 2. Et le fonds va lui accorder, à travers CAP Access, le double de cette duration pour lui permettre de souffler avant de commencer les remboursements en capital. Nous sommes là pour vous accompagner pour vos ambitions. L'objectif de faire émerger de nouvelles PME fortes, voire demain des ETI, est une volonté que nous devons tous avoir et inscrire. Nous avons besoin, en tout cas notre économie, a besoin d'avoir demain de véritables champions PME pour qu'ils soient demain de véritables ETI. Les pays qui arrivent réellement à se développer, ce n'est pas uniquement de la grande entreprise, c'est de la PME solide, c'est de la PME qui arrive à passer en tant qu'ETI. Le nouveau mécanisme qui a été lancé le 5 mars dernier entre le Fonds Mohamed VI pour l'investissement, Samwilcom et le groupement professionnel des banques du Maroc, honnêtement, vient à point nommé pour résoudre une grande problématique liée à l'investissement et par rapport au sujet des fonds propres des entreprises, qui a toujours été un facteur bloquant pour un certain nombre d'entre elles pour l'accès au financement. Donc je pense que ce produit vient au bon moment pour qu'on puisse relancer cette machine d'investissement. Surtout que le contexte général, à travers toutes les études qui ont été faites et à travers justement tous les échanges qu'on a eus ce matin à l'occasion du panel qu'on a tenu, montre qu'il y a une tendance favorable pour le Maroc, alhamdoulilah, avec des perspectives qui sont extrêmement intéressantes à la lumière de tous les grands événements que le Maroc va abriter. Je pense à la Coupe d'Afrique 2025, je pense à la Coupe du Monde 2030 et je pense à tout l'engouement, alhamdoulilah, que continue à avoir le Maroc et à la forte résilience de notre économie. Le véritable enjeu à chaque fois pour nous, ça a été la dynamisation de l'investissement du privé. Et donc là, je pense qu'on tient, alhamdoulilah, le bon bout. Alors Tijari Wafa Bank, comme à son accoutumée, va être partie prenante essentielle de ce dispositif. Lors de l'événement de ce matin et à l'occasion du lancement du dispositif CAP Access lancé par le fonds Mohamed VI pour l'investissement, le groupe At-Tijari Wafa Bank a donné le coup de lancement d'un nouveau dispositif d'accompagnement de nos investisseurs tout au long de leur processus de montage de projets d'investissement. Baptisé At-Tijari CAP Access, il s'agit d'un parcours complet qui va au-delà de nos services financiers. Au-delà en fait de CAP Access, ce nouveau dispositif de cofinancement, nous mettons en avant toutes nos solutions qui sont souples pour l'investisseur et qui passent en revue tout ce qui est financement de fonds de roulement ou besoin en fonds de roulement à travers les crédits de fonctionnement, le leasing, le factoring ou encore le cash management. Et comme à son accoutumée, le groupe At-Tijari Wafa Bank a toujours appuyé l'ensemble des instruments de l'État qui viennent en appui de l'entreprise marocaine. Et là, là-dessus, et au-delà en fait de CAP Access qui a été lancé il y a 2 jours, nous finançons aujourd'hui nos investisseurs à travers la batterie des instruments existants. D'abord, le dispositif de la charte d'investissement, les subventions de Maroc PME ou encore l'ensemble des instruments de Timwilcom, de garantie et de cofinancement.